Salut à tous. Alors, juste un petit message pour écrire mon nom. Au début de la vidéo, donc cet épisode est un petit peu spécial parce que ce que vous allez voir dans quelques secondes, je vais essayer d'aller vite. C'est une petite partie de vidéo que j'avais tournée il y a quelques temps quand même. Pour être plus précis, j'ai essayé de tourner l'épisode 5, donc celui-là, tout de suite après le 4. Sauf que j'avais oublié que j'avais plus beaucoup de mémoire dans ma caméra. Donc la vidéo s'est arrêtée au bout de 12 minutes. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de toute façon. C'est arrêté au bout de 12 minutes et en fait, ce qui se passe dans cette petite partie, j'essayais juste de récupérer les secrets de la petite zone dans laquelle on était. J'avais fait genre le téléphone et tout, mais à un moment, j'essayais de chercher un autre numéro de téléphone pour réactiver autre chose. Donc, je pense l'avoir trouvé. Il n'y a pas de son, hein, c'est normal. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Donc, bien sûr, là, la vidéo sera coupée un peu en deux parties. Donc, une petite partie que j'ai tournée il y a longtemps, mais qui dure 12 minutes, mais que je pense que je vais raccourcir un peu. Parce que, en l'espèce de petit résumé, parce qu'il se passe pas grand chose, et surtout je tourne en rond, surtout vers la fin où j'essaie de tourner mon téléphone. Et donc, bah là, moi je vais tourner tout de suite la suite, comme ça. Bah non, tout de suite, je m'embrouille dans mes mots, c'est génial. Voilà, bon, c'est juste pour vous dire ça. Donc là, maintenant, vous allez voir une petite vidéo pour faire un résumé de ce que j'avais fait. Et en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont donné des petites astuces pour trouver les secrets. J'avais un peu trouvé tout seul, mais maintenant, on va essayer de trouver le reste. Allez. A tout de suite. Ok, attendez. Ça m'a l'air bon. Allez. On éclaircit la voix. Le nez, ça devrait aller. Bref, on peut partir. On peut y aller. Non. Salut à tous et à toutes, c'est moi Lucas Sarson, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Epic Mickey. Alors, dans l'ancien épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Dans l'ancien épisode, on avait réparé. J'ai du mal. Réparé le projecteur pour Oswill, donc on y est allé. Une fois qu'on y était, on a fait toute la mission à Oswill, donc on a réparé le boîtier téléphonique, reconstruit le pont pour aller à la montagne des déchets qui est ici. Faut aussi récupérer les morceaux de dingo, de robot dingo. Et donc après, on est arrivé donc à la montagne des déchets. J'avais rapidement accompli la mission, on va dire, en réparant la grue et en libérant un gremlin. Sauf que j'avais dit que je fouillerais un peu la zone avant de partir. Et j'ai bien fait, parce que déjà d'une, là, il y a un coffre, et de deux, il y a un téléphone. Le fameux téléphone, donc je pense que c'est celui-là, hein, que notre téléphone de notre maison nous avait dit de composer un numéro. Alors, 726. Allô, allô, la liaison avec la montagne des déchets est rétablie, merci Mickaël. Pense à venir me voir aux yeux pour obtenir ta récompense. Ok, it's good. Alors. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, il faut régler le problème de ceci. Parce que. Voilà, hein. Ah oui, le temps ralenti, c'est vrai. C'est vrai que j'avais. J'avais peint ça avant de commencer l'épisode parce que je me disais que c'était. Régler ce problème. Mickey Staff. Moi j'aime bien grimper. C'est ce truc là qui fait du bon. Ok, oui, c'est ça. Ce truc là. C'est une autre. C'est très bizarre. Ah mais... C'était gratuit. C'est quoi ce truc? Mickey apprend à te moucher? Non, c'est pas. On dirait vu l'image. Avec Mickey apprend à te moucher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, monte! Caméra! Ce qui est chiant dans le jeu, c'est que la caméra, des fois, elle veut pas se tourner. Bon, bon,
on me frappe pas. Ah, on a mis une balle. Une balle. Une balle. Ouais, j'arrête. Water, s'il te plaît, merci. Hop. Contenu supplémentaire, la minute. Alors, si c'est comme ça qu'on arrête les... Ah putain, ça reprend. Ah d'accord. Si c'est comme ça qu'on arrête, non. Putain. C'est pas vrai. Attends. On va monter là-haut. Voilà. Vu à la première personne. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que celui-là s'arrête. Comment il s'arrête alors? J'aimerais bien récupérer ce coffre. Parce que là, le problème, c'est qu'on est dans une zone où il peut y avoir des morceaux de dingo, donc... Vous croyez? Je pense à un truc, mais je me dis, ça me paraît un peu chaud, non? On va y avoir, hein. Parce que pour moi, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est peindre le réveil, vu que le temps sera ralenti, peindre ça, et vu que ça mettra beaucoup plus de temps à se dépeindre, on va dire. Pas du tout même. Non, elle est trop dure. Je vais crever. Comment on fait alors? Excuse-moi, tu peux pas m'aider? C'est pénible, l'air mignon, c'est sûr. Je sais que le téléphone ne fonctionne bien précis. Quel bonheur, bah non, pour le téléphone, ok, non, t'as que dalle à me dire, tu sers à... Que dalle. Justement, comment on fait avec ces trucs? Y'a un numéro de téléphone à composer? Tu vas peut-être, hein, pourquoi pas. Non, les jeunesses. Mais saute, Mickey. Peut-être, ouais, peut-être qu'il y a un numéro de téléphone bien précis à composer pour arrêter... Il est arrivé. Je parle des télés depuis tout à l'heure, mais. Je suis dit, quoi, ça marche pas ce moment. Ok, on est good. Bon, alors, je vais pas vous faire « Ouais, salut à tous et à toutes !» Je l'ai déjà fait, hein. Enfin, je l'ai déjà fait. Alors, attends. Hop. Je l'ai déjà fait, oui et non. Hein. Donc, d'après ce que vous avez vu, si je me souviens bien, j'ai récupéré le dessin qu'on m'avait dit qui était là-bas, j'ai récupéré plusieurs trucs, et, en fait, j'espère que ça a tout sauvegardé, hein. Ouais, l'écran est toujours actionné. Donc, la télé, ça calme les lapinous et les empereurs. Ça... Ah, bah merde. C'est... Là. J'ai rétabli la connexion avec Osville pour le téléphone. Mais, à ce qu'il paraît, si je fais 349... Merde. Ah, ça marche. Oh merde. Ah putain. Donc ça marche. Fallait bien mettre 349 pour atteindre le coffre. Nickel. Joli bug. Il y a un bug, on est d'accord là. Ok. Attends, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il va pas y avoir un décalage? Non, ok, c'est bon. Il y a eu un espèce de gros décalage. Ouais, nickel. Donc je pense que ça devrait être bon, donc on a récupéré la broche, tout ce qui était dessin et tout, je crois que ce qu'on m'avait dit,
m'avait dit une abonnée, je crois que c'est une abonnée, je suis pas sûr. Mais... qui m'aide beaucoup, qui me donne beaucoup d'astuces. Merci à toi, franchement, c'est très sympa. Comment on passe en vue à la première personne déjà ? Comme ça. Je pense avoir tout récupéré. Ça, je l'ai récupéré, ça je sais. J'ai revisionné rapidement. Je crois avoir tout récupéré. De toute façon, si je récupère pas tout, c'est pas trop grave. Hop. Il y a pas l'air pour suivre l'ascension. Le son, j'ai pas l'impression qu'il est fort. Merde, je suis en train de le baisser là, comme un abruti. Alors. Oui, vous avez peut-être marqué, ça a changé. Oh putain. Alors. C'est quoi, dessin animé ? Mickey le berger ? Bon, j'espère que niveau cadrage, c'est bon. Ça, j'ai regardé, ça m'a l'air très bon. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'espère que vous êtes contents, on ne risque plus d'avoir de problème de reflet maintenant, sur la Wii. Eh oui, on ne peut plus en avoir, parce que la Wii a déménagé. Et elle a déménagé dans un endroit qui m'arrange. Là, un passage secret là-bas. Ah non, d'accord. Par contre, je trouve la bobine. La bobine. La petite bobine. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit là-bas, tu vois. Mais voilà. Est-ce que tu montes ? Oui, tu montes. C'est quoi alors ? Alpine Clamber Power Run. Prêt à entrer dans les piles. Ok. Je sais plus si j'avais fait le résumé dans la première partie, je me souviens plus. Je sais que j'avais dit que c'était l'épisode 5. Ça c'est sûr. Je pense avoir dit pourquoi. Ceci est un sauteur. Le moins évolué des chromocroques dont je t'ai parlé. Ah, je vais faire disparaître leur carapace à coup de dissonance, mais ça ne les laissera pas, il va falloir les écraser encore un peu. La peinture ne les apprivoisera pas contrairement aux encres. C'est une machine, c'est normal. Alors. Escalade la montagne. Alors par contre je crois que niveau batterie, je vais vite être à sèche. À sec. À sèche. parce que c'est de la merde. Bisous, Zenzou. Encore une montre. En fait, si vous préférez, il y a un truc sous la Wii qui permet de. Je vais te faire mettre. Qui permet de. Putain, je suis aussi un savon. Qui permet de recharger les manettes automatiquement. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est fort pratique. Oh, une nouvelle infiltration. Attaque, invasion, tu veux dire. Hop, dégage. Hop, dégage. Y'a rien ici. Y'a un petit chemin là. Alors, j'espère que le son est bon, hein, parce que pour moi j'ai l'impression qu'il est fort, mais si moi je l'entends, vous devriez l'entendre. La caméra est plus proche que moi de la télé quand même. Ouais, ça va, c'est exactement ce que j'avais dit. Ah, s'il te plaît, le viseur. Bon, par contre, j'aurai encore des petits problèmes de viseur. Hein. Ah, Mickey ne veut pas lever son bras, il est trop craignant pour ça. Pas. Oups. Ils veulent pas que je fasse enlever la première personne, très bien. Est-ce que ça se disparaît ? Non, ça ne disparaît pas. Pourquoi ils veulent pas ? Ah, d'accord, c'est le problème, c'est ça. Ça a vraiment existé, tous ces trucs, vous croyez ? Ah putain ! Ces espèces de trucs avec des têtes de Mickey en forme de mouche. Ah, un ultime de l'entreur. Ils veulent vraiment pas que je passe en vue à la première personne. Hein. Oui, ça s'appelle déjà. Les feignants, moi je les appelle, mais. Ceci est un épouvantage. Elles dorment beaucoup, heureusement pour nous.
Quand elles sont envoyées, Ariel les excite et elles peuvent même exploser si elles sont trop énervées. Crois-moi, tu les énerverais. Heureusement qu'elles sont totalement immobiles. Elle dort, marche lentement pour passer sans te faire remarquer. Enfin, moi aussi, vu que marcher lentement, c'est très très long. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout courir, les exciter un peu et qu'elles explosent. Et comme ça, elles explosent moi. Vous entendez derrière la musique, il y a tout. Ah, mais c'est rythmé au rythme de mes pas, c'est normal. Pas un bruit. Il faut être discret. Si on fait trop de bruit, on va les réveiller. Metal Gear Solid peut laisser Rabi à côté. Ça va aller vachement loin. Jadis c'était une usine à chrome au croc, certaines zones fonctionnent encore. Les zones les plus dangereuses, j'ai l'impression. Ah sinon c'est pas fun. Tu croyais vraiment que la zone qui allait encore marcher, c'est les zones toutes sensibles, toutes mignonnes. Ouais, j'allais dire j'ai pas confiance. Je crois. Est-ce qu'il y aurait pas. Est-ce qu'on pourrait pas céder de ces trucs pour monter quelque part? Ça me saoule. J'ai cru voir une... Ouais voilà, elle est là. Attends. Hop, si je vais là. Hop. Une caméra. Hop là. Il y a beaucoup de caméras. La thune. Et je peux pas passer en vue à la première personne, ils veulent pas. Olé. Oh putain. Je crois que si je suis pas, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord. J'y vais à la violence, moi. Je vais le faire. Ah, putain, je me suis pas fait toucher. Oh là là, ça dure encore longtemps cette connerie. Les caméras! Je veux monter là-dedans. C'est le mec trop nombreux. Ah merde. Il est dur vos explorations. Bonjour messieurs. Je crois que c'est la sortie. Je crois que c'est des encreurs. Voilà, soyez mes copains. Comme ça, on sera copains dans Epic Mickey 2. Oh putain, encore un téléphone! C'est une blague. Mais attends, faut taper quoi avec celui-là? Celui-là. Est-ce que vous croyez qu'il faut encore taper le numéro? Non, je crois pas. Ah, oh, 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 le téléphone. Vas-y, arrête-toi, j'en ai marre à se tirer. Oh putain, je pensais qu'il avait pété. Ah, mais il y a des plateformes. C'est quoi le numéro pour le téléphone? J'ai complètement oublié, moi. Putain, si j'avais tourné la vidéo! Je suis sûr que je peux y aller. Putain, gay! Bon, on va essayer. Hein. Non, ok, ça ne marche pas. C'était quoi le numéro du...
26? Oh, je sais plus. Par contre, j'aimerais bien... Attends, en fait, ça va, je sais pas. Attends, là, t'as un chemin. T'as un chemin qui mène là. Mais comment on y va, là? Non, parce que les gremlins... What the fuck? Comment tu veux aller là-haut? Là, il y a un dessin, je l'ai vu, on est sur la boue, là. Parce qu'on peut pas corriger. Il y a un bug. Y'a pas un truc à peindre? Le capteur, il a du mal. Non, un truc à dissoudre. Putain! Ah! Et je vois un truc en plus là-haut. Là-haut, là, il y a un truc qui... Y'a un passage. Il y a un truc là, c'est pas possible, je savais bien. Non mais ce téléphone me perturbe... Déteste ça. Merde. Je vais me faire toucher. Montagne de déchets. Le capteur, putain, aimé. Il va me gaver sous le coup. Si, putain, j'ai pas vu qu'il lançait un point de vie. Cassez-vous. Casse-toi. Casse-toi. Allez, dégage. Voilà, c'est très bien, bref. Comment on monte là-haut? Attendez, j'ai pas envie de continuer, wesh. Rien là. Ah, attendez. Attends. Non, ah merde, c'est pas des chiffres, c'est juste, il y a juste une lettre. Ah, je t'ai entendu dire, ah, attends, il y a peut-être un numéro avec les... Truc et tout, ouais. Ah, ça m'énerve ce genre de truc, je te jure. Pourquoi ils nous ont foutu un téléphone, ces abrutis? Bon, ok. 349, ça marche pas. Marche pas. Bon, attendez, vous savez quoi? Oh putain, je vais juste changer d'avis. Je vais juste voir un truc, je reviens. A tout de suite. Oh là là, oh là là, oh que c'est beau, oh que c'est beau. Attendez, par contre, le cadrage il est moins beau, j'ai un peu bougé. Oh que c'est beau, je crois que j'ai réussi à brain, comme on dit dans le jargon. Je crois que j'ai réussi à casser le jeu. Regardez où je suis. Alors j'ai fait quelques petites recherches, et à ce qui paraît, la pompe avec les... encre, enfin les bombes là, je sais jamais normalement. En fait, il fallait mettre du dissolvant pour pouvoir sauver un gremlin. Alors, je sais pas si c'est celui-là qui parle, mais j'ai réussi. Ah, what the fuck. J'ai réussi à grimper. En gros, si vous préférez, j'ai réussi à monter sur ces trucs en, juste en dessous et grimper sur la grille. Donc, attendez, on va libérer. Oh, comment j'ai brain le jeu. Merci, Mika, tu avais raison, Gus. Cet endroit est dangereux. Ronald. Mais j'ai fait quelques découvertes avant d'être capturé par les chromocrocs. Ce téléphone là-bas est relié aux griffes mécaniques au-dessus. Comme tu m'as libéré, je vais composer un numéro de téléphone pour toi. Regarde. Ah putain. 5, 1. 1 ou 2. Ce numéro est correct, Mickey. Oh là là, je sais pas si j'étais censé atteindre cet endroit, mais c'était beau, bordel. Alors là, par contre,
Ah ok, d'accord. Ouais, alors par contre, je pense qu'il faut faire ça plus vite. Je pense qu'il fallait pas faire comme ça. Et dommage que j'étais pas en train de filmer, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder, j'étais en train de me dire, ouais, comment ça marche et tout. Et j'ai réussi, quoi. Ah d'accord, donc là, c'est là où on était. Donc il y avait bien quelque chose en haut. Oh là là, en fait, je sais vraiment pas comment j'ai fait. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voyait. C'est cette merde. Bah alors par contre, franchement, la caméra, elle est pas avantageuse, là. Elle est vraiment placée pas à un très bon endroit. Putain, je suis en train de serrer les fesses, là. Pas du tout où je vais, mais j'y vais. Et la caméra, je peux pas la bouger. Alors, je crois que c'est pas très bon d'aller en bas. Putain, la caméra! Eh, mais... Vous avez vu comment elle est partie? Allez! Oh, bordel. Ah, quoique, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de descendre. Eh, mais c'est tellement grand, putain! Je pensais pas que c'était si grand. Mais ouais, mais je vais où? Oh, j'en ai un, laisse tomber. Où est-ce que je vais là? Entre un gremlin qui me compose un numéro, des chemins qui vont à perpète. En fait, imagine, je suis en train de faire un chemin à l'envers. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ok, en fait, d'accord. Est-ce qu'il est explosé? Non. D'accord, en fait, si j'avais actionné le dissolvant, c'est cette porte-là qui serait activée. Ah, et comme ça, je pouvais libérer une gremlin. D'accord. Sauf que vu que j'ai cassé le jeu en escaladant... Pas trop où ça peut mener en fait. Il y a peut-être un truc caché derrière. Il y a peut-être un truc. Par contre, putain, se faire taper tout le chemin du retour, c'est lourd. Hein. Je pense que je vais faire une coupe. Ouais, c'est pas con. Tiens, pourquoi pas, ouais. Je pense que je vais vous faire une petite coupure à vous pour retraverser tout ça parce qu'en fait. Un capteur. Parce qu'en fait, j'ai retraversé toute la zone. Et je me suis dit. Je suis allé dans la zone en descendant. Donc. Je pense que je vais couper. C'est pas intéressant pour vous. Et comme ça fera gagner un peu de temps de vidéo. Ah putain, coffre. Ah, il est branché en or en plus. Et c'est vraiment dommage que vous ayez pas vu comment j'ai fait pour casser le jeu. Mais en fait, j'ai essayé de sauter sur les espèces de pins là qu'il y avait. Et en fait, à un moment, Mickey il s'est accroché à une des barrières et il s'est hissé. Et donc ça m'a permis d'atteindre le gremlin. Franchement, c'est dingue. Pourquoi faut toujours que je fasse des trucs exceptionnels au moment où je ne filme pas? Ah, je vais passer le capteur. Et le capteur, en fait, quand je lève trop haut, il est pas content. Il kiffe pas des masses. Bon, on peut y aller. Bon, cette vidéo, ça sera un montage à gogo. Hein. Déjà, faut que je relie la première partie, à la deuxième. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Oui, je suis prêt à grimper. Les problèmes, ça accumule. Attends, si peut-être si je recule encore un peu le capteur, peut-être qu'il arrêtera de m'emmerder. Ah ben non, là, je ne peux pas savoir. Je regarde souvent le cadrage parce que j'ai toujours peur que ça bouge. Cette vidéo sera la plus dure à tourner, dis donc. Ah non, c'est pas une blague, hein. Oh, deux. Mais, hey, t'es mignon, mais t'es chiant. Stay with me. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Les rochers, je les vois, hein. J'en ai rien à ce moment. Ah, attends, peut-être que c'est en fait. En fait. Hop, hop, hop.
Alpine Crumber Part 2. Ok, hop là. Hop là. Allez, ok. Accéder aux pentes de la montagne des déchets. Putain, il y a combien d'objectifs? Enfin, il y a combien de zones à traverser surtout? C'est la vidéo la plus chiante. Ça a duré une heure. Bah, en plus, l'épisode du vieux let's play, quand on était à la montagne des déchets, durait une heure. Hein. Ah! Pardon, devant entrer pour parler à Oswald. Je regrette, mais cette porte est hors service. Une panne de courant, tu vois. Oui, je vois. Est-ce que je tombe à pic? T'as compris? Pic, c'est une carte de pic. Bref, même si ça avait marché, je ne peux pas ouvrir la porte tant qu'il y a des encreurs aux alentours. Débarrasse-toi d'eux et j'ouvrirai la porte. Sinon, tu peux aussi essayer de l'ouvrir toi-même. Ha! La hutte du collectionneur où Gilda a laissé sa hache est en haut de la corniche. Mais comment s'y rendre? Toc, toc, toc. Qui est là? Mickey. Mickey qui? Mickey Mouse. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. J'ai jamais trouvé cette blague drôle. Bref, ça n'a aucun rapport. Waouh! C'est glauque. Et le pire, c'est que je crois que de base, le jeu était censé être plus gore. Enfin, pas gore, glauque. Mais était censé être plus malsain encore, je crois. D'après ce que j'ai entendu. Remarque et tout. On va essayer d'aller ouvrir la porte nous-mêmes parce qu'il y a le truc de Gilda. D'ailleurs, merci à ceux qui l'abonné qui m'ont encore donné des astuces pour Gilda. Et on va bien voir ce que ça donne. Bref, donc à ce qui paraît, le jeu était censé être plus sombre hein, encore. Il y avait vraiment. Ça me fait peur ces trucs. Oh putain! C'est pas à cause du balayeur que j'écris. Oh putain! Au revoir! Et quoi là? Ça fait un bruit de mouette quand on bouge, je trouve. Tu vois pas? Ah, ok. Bref. Oh bordel, il y avait des pics! J'aurais bien aimé voir ce que ça donne le jeu en plus sombre, parce que j'ai vu des images, elles sont sublimes, genre des attractions de Disney, des parcs Disney, qui sont sur une espèce de gros bateau, enfin, je sais pas ce que c'était, mais c'était super impressionnant, ça aurait pu donner un truc vachement cool. Mais bon, vu que c'est... C'est Disney. Hein. Encore un. Par contre, tu veux que je monte où là? Ah, ok. C'est bon, c'est bon. Ok. Tu as réussi, Mickey, la porte s'ouvre. En peignant les télés, tu as réussi à ouvrir les portes en évitant un gros combat. Je te fais ici. On s'en fout, c'est des encreurs, faut les exterminer. Sors la mitrailleuse, ta 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 ta. What? Qu'est-ce que je fais là? Bonjour. Comment ça va? En plus, j'adore Gus. C'est bien, tu as évité un gros combat, donc en gros, tu as laissé des encreurs devant la porte, et donc si jamais quelqu'un vient, il peut se faire attaquer. Merci, Mickey. Ah, merde, c'est beaucoup plus haut que prévu. Ah. Tremplin. Eh, tremplin! Tu fous pas de ma gueule. Ok, je l'avais même pas vu. Attendez! Attendez! On peut discuter! Yep. Non, pas par là. Non, trop mauvais. Ah! Attendez, les gars! Mais comment ça marche ce truc? Mais il brille! Oh, putain, je suis en train de me défoncer. T'as évité un gros combat. Attends, comment ça marche? Il y a même Mickey. Mais attends, c'est quoi ce truc qui m'avait parlé à l'Orgus? Parce que là, attends.
truc là-bas. Ah putain, il y a une... Il y a une enclume. Allez. Putain, poussez-vous. Putain, en plus avec mon capteur qui pète un câble. Bordel, mais... Arrêtez de m'emmerder, là. Putain de capteur de mes murs. Ouais, je sais. Putain, mais je vais pas avoir assez, là. S'ils arrêtent pas de m'emmerder, on va pas y arriver. Putain, le capteur, là. Putain. Allez, là, j'en ai encore assez du dissolvant, arrête de faire chier. Putain. Ah, merci. Non, sérieusement, j'en avais encore assez, quoi. Pourquoi ça s'est arrêté? Hop là, merci, Mickey. Ok, vous voyez qu'on peut trouver les mystères par nous-mêmes. Petit enfoiré. Alors, par contre... Ouais... Ok... Je suis là... Oh, putain de merde. C'est une blague. C'est une télé, ça? Non, c'est une télé. Ah, d'accord. Quoi? Ok, je crois que j'ai sauté beaucoup trop haut et Mickey a pas trop kiffé. S'il te plaît. S'il te plaît, groue-toi parce que... Putain, mais... Eh, le capteur commence sérieusement à me saouler. Faut vraiment que je trouve un meilleur endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah c'était là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mickey, je crois que c'est ici que Gilda s'est arrêtée quand elle explorait la montagne. Si tu veux, on peut aller voir si Gilda n'a pas perdu son piolet quelque part, là-dedans. Ouais, mais... Eh, mais si. Mais voilà, cette fenêtre Gilda a perdu. Et bah cool. Et quand on retournera à Oswille, on lui donnera. Ouais. Je me disais bien, je me disais, attends, il m'a parlé de Gilda là, elle doit venir quelque part. Enfin, son truc là. Oui, je suis fier. Bon. Bref, par contre, j'ai plus qu'un point de vie à cause de tous ces rebondissements. Donc j'espère qu'il y a de la vie. Je suis sûr que ça va se fermer derrière. Ah, cinématique. Le grand chambardement, tu sais, le bordel que tu as provoqué, Mickey. Voilà, ils adorent faire ça, c'est un truc qui me saoule dans les jeux vidéo, ça. Quand t'arrives à un endroit et qu'ils ferment derrière toi, genre, ah, t'as oublié un truc, et bah, dans ton cul. Allez, salut. Bref, alors par contre, avec toutes ces coupures vidéo et tout, je ne sais pas du tout combien dure la vidéo, combien de temps dure la vidéo, parce qu'en plus, je vais faire des montages pour vous raccourcir le temps quand je retraverse, quand je fais ceci, quand je fais cela, enfin, je vais pas arrêter. Par contre, j'ai toujours pas trouvé de morceau de dingo, ça m'inquiète un peu. Mais bon, il y en a. Je pense avoir tout exploré, je pense pas avoir raté de trucs, j'espère. Ça me fait peur, hein, parce que... Ok. Ok, bon, j'arrive pas. Bonjour. C'est lui qui prend les choses en main par ici. D'accord. Bah, ils m'ont l'air de bien m'aimer. Ils ont l'air tout contents. Circuler. Ah, bon, pas si content que ça en fait. Écran projection. J'ai
J'espère vraiment que j'ai pas raté des trucs de dingo, parce que là, ça commence sérieusement à me poser des questions. Là. Je commence sérieusement à me poser des questions, parce qu'on a traversé trois zones de la montagne des déchets, et il y a et aucune pièce de dingo en vue. La tronche de Mickey quelque part quand même, hein, le mec. Oh, Mickey, sérieusement. Bon, c'est là, il est riche, bien sûr. Alors, c'est toi, hors de question que tu le rencontres. Tu dois d'abord passer des tests. D'accord. Passe par le premier écran de projection sur ta gauche. Ton ticket sera poisson. Poisson. Un trou. Voilà. Un dessin animé d'Oswald, tiens. D'accord, il y a un dessin d'Oswald, mais il y a marqué Mickey Mouse. Tout est logique. Je crois que cette vidéo va durer très longtemps. Lala. C'est un peu. Hop là, nickel. Trolley Trouble, yeah. Bon, il y a les tickets, mais. On s'en fout! Pardon. Bon, c'était peut-être un coup de veine. Tu as intérêt à être de taille dans. Bref, pour triompher de l'épreuve suivante, je peux. Il va vraiment falloir que je relise le commentaire de l'abonné pour qu'il me redise où étaient les pièces de dingo, parce que je vous jure, ça me trotte dans la tête là. Parce que là, attends, on va bientôt arriver chez Oswald, non? Tiens, Oswald a fait la guerre. Oh, il y avait un truc qui brillait, je crois que c'était des barbelés. Putain, je regardais ailleurs, je regardais l'heure derrière moi. Putain, il y en a deux fois. Et c'est boulet de canon de l'hiver. Attends, l'avion là-bas, là, il faut le. Faut littéralement le prendre. Oh la vache. Eh, j'ai vraiment pas de veine. Oh, arrête, tu peux monter ça. Je m'en doutais. J'étais pas sûr, je me disais, je suis sûr, cet avion, faut le prendre. Ça a pas raté. je le voyais là, le truc, je me disais, oula. Oh, il bat des ailes. C'est trop mignon. Ah, c'est lui qui tire, c'est trop mignon. Oh purée, il va vite cet idiot. Ok, c'est bon, je le laisse, c'est Oswald. Fire. Bonjour. Oui, je savais que tu réussirais, oui je sais, moi aussi je le savais, on le savait tous, on était tous heureux, Mickey c'est le plus fort, Oswald il peut le sera vif. Non, je rigole, mais... T'en as d'autres? Oui, il y en a une autre, je sais. J'ai pas trouvé des jeux de mots pour ce défi-là, t'as juste à sauter dans l'écran de projection, compris? Ah, les jeux de mots. L'ultime défi? Je suis pas sûr que je cherche l'ultime défi. Ah, ça a l'air d'être avec le chevalier. Enfin, King, ouais. C'est exactement ça. D'ailleurs, je crois que c'est... Oh, putain.
Je crois que ce dessin animé est disponible dans les bonus du jeu et on peut le regarder. Je crois me souvenir de l'avoir regardé. Ça fait peur, cet idiot. Putain, mais arrêtez de faire vos coups comme ça, les gars. Ça ne se fait pas, c'est pas légal. Oh, c'est... Ah, putain, monte. C'est Hortensia. Elle t'envoie des gros cœurs. Salut, chérie. Oh, what a night. Ouais, voilà, c'est ça. T'as parlé, t'as dit quelque chose. J'ai juste lu arrogant. Non mais en fait j'en ai tellement rien à foutre de ce qu'il me raconte, sérieux, il me gaffe tellement. Oswald s'en était tiré deux fois plus rapidement, je te félicite quand même, bien que ça me coûte. Ah, ça va. Tu as mérité une audience auprès de notre intrépide chef, mais ça ne va pas lui plaire. C'est le plus grand héros de tous les temps, avance. Ouais. Je savais bien, ouais. Je me disais, attends, on m'avait pas dit qu'il y avait quelque chose là-dessous? Il nous faut quelque chose pour maintenir la porte ouverte. Je crois que le piolet de Linda ferait l'affaire. Mais si on s'en sert pour bloquer la porte, on ne pourra plus lui rendre plus tard. Je crois qu'on devrait bloquer la porte avec le piolet, sachant que ça l'abîmerait. On m'a dit que oui. En fait, on m'a dit que oui. S'arrêter un jour. Ok, d'accord, ce que j'allais dire. Hello. Le capoteur, mais aussi. What? Where am I? Ah, c'est problématique. Ok. Parole, c'est l'œuvre d'une personne très dévouée. Oui, dévouée, on va dire ça comme ça. C'est une réplique miniature du monde de la désolation. Enfin, pas si miniature que ça. Hein, c'est. Well, it's impressionnant. It's impressionnant. Tu peux peindre ce qu'il faut peindre, s'il te plaît? Ah, je connais cet endroit. On répare, hein. Ouais, voilà, on avait parlé de ça. Oh, Mickey. Oups. De quoi? Wesh. Non. J'accepte pas. Je ne suis pas d'accord.
n'accepte pas. Attends, hé, oh. C'est quoi ce coup de pute là? Je suis désolé, c'est le terme que tu peux utiliser. Ah putain, j'ai cru que je devais recommencer l'audience. J'ai fait, vous foutez ma gueule là. Oh putain, je m'y attendais pas à celle-là, je me disais, bon bah. Par contre, ne dites pas que ça a enregistré. Eh mais. Eh oh! Comment sérieusement me gaver ce truc, hein? Allez, grouille! Oui, tais-toi! Tais-toi! Ferme ta bouche! Compliqué, parle des trucs. Eh, franchement, le coup là du coffre qui se casse, je m'y attendais pas. Alors, je sais pas si c'est scripté et qu'en fait je vais le retrouver plus tard, mais j'ai pas confiance. Ok, je sais pas, j'ai pas confiance. C'est bon, je suis en plus. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a en haut? Ah ouais, j'étais pas sûr, hein. Ça n'était rien, hein. Rien. Attendez, bon, de toute façon, je vais descendre, hop. Ouais, voilà, ouais. Purée, quelle bande de fous. Par contre, je crois qu'on a tout détruit. C'est quoi ça? Putain, une broche? Y a masse broche, dis donc. Par contre, niveau pièce pour lingot, je peux m'asseoir dessus, hein. C'est quoi ce bazar là-dessous? Non mais, hé hey. Encore une broche or, argent, bronze ou peut-être? Non, c'est encore une broche. Broche, montagne de déchets. Ah ouais. Regarde, la porte s'est refermée, le PS du village est cassé. Ah merde alors! C'est vraiment pas de bol! C'est quoi ce bazar sous cette tapisserie, Oswald, dis donc? Par contre, ça m'inquiète toujours autant qu'on n'ait pas de trucs. Si je leur parle, ils me disent quoi? Je sais de source sûre que tu es méchant. Ok, merci. Bon, bah on va voir Oswald et puis on s'arrête là. Parce que ça a duré beaucoup trop longtemps, là. Hmm?
Non mais attendez, on est d'accord là, j'ai vraiment trouvé aucune pièce de dingo là. Que dalle. Attends, mission. Mais oui, j'en ai que dalle. Dingo était demandé par les sbires du savant fou, ces morceaux sont éparpillés. Ah, non, d'accord, à Discoveryland. Ok, d'accord, non, c'est pas la montagne des déchets, à Discoveryland. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. D'accord, c'est ma faute. Là, on va y aller à Discoveryland. Ok. J'ai rien dit, ça va. C'est bon, je peux respirer. Je me disais, attends, c'est bizarre, pourtant c'était censé être à la montagne des déchets. Non, non, c'est bon. Bon. Bah voilà. Bon, bah on a cassé la pioche de Gilda. Bon, bah. Désolé. Mais bon, on m'a dit que ça valait le coup. 3 broches. 4, je crois. Non, 3. Ouais. Ça va. Après, les broches, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais bon. Bref, on va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo va faire 1 heure. Là, sur ce que je filme moi, ça fait plus d'une demi-heure. Donc si je rajoute tout ce qu'il y avait avant, ça va peut-être faire 1 heure. Bref, donc, j'espère quand même que cet épisode, qui je pense va être long, vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 de Epic Mickey, où on va se rendre à Discoveryland. Oui, je sais, je m'arrête un peu brusquement alors que c'est censé rejoindre Oswald, mais je trouve que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Allez, salut et à la prochaine. Faudra penser à aller retourner voir le téléphone d'ailleurs, de nous donner un truc. Allez, salut et pas Gilda, sinon elle va nous tuer.